Ok, bon, on va faire New Map. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais changer le titre du stream Twitch. Mapping. Hop, mettre à jour. Parfait, ça marche. Alors, test mes maps. J'y vais, bye. Ciao, ciao, Kronx. Entre nouvelles maps. Ouais, du coup, on part sur ça. Je vais tester mes maps. Comment on fait pour te donner des cartes? Alors, je vis pour me donner des cartes. Le plus simple, moi ce que je préfère, c'est que tu héberges ta carte sur Mania Exchange, je crois. Alors pour si tu veux, pour voir si tu peux, en bas dans la description, j'ai mis que mes maps étaient disponibles sur tel lien. Alors il faut ouvrir dans un nouvel onglet, hein, sinon ça quitte le stream. Donc méfie-toi. Mais tu peux ouvrir, ça va t'amener sur le site en question. Je me souviens plus, je crois que c'est Mania Exchange ou un truc comme ça. Tu as dit l'heure, tout le monde s'est inquiété et est parti. Oui, c'est vrai. Ça faisait un peu comme dans un casino, vous savez, où les gens n'ont pas accès à l'heure, en fait. J'aurais pas dû le dire. Les gens ne seraient pas partis. Enfin voilà. Donc voilà, moi Jovi, je préfère que tu me les donnes par Mania Exchange. Parce que du coup, en fait, je peux les récupérer, moi je peux les retélécharger et les installer derrière facilement. Voilà. Je vais tester mes maps. Pour le coup, je préfère aussi que du coup tu m'envoies un lien. Tu m'envoies un lien direct. Si ça ne te dérange pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Pas trop d'idées. Est-ce qu'on ferait pas une map souterrain? Ah si, pour rigoler. Allez, juste pour rigoler. On fait une map souterrain. Alors, on fait ça. On fait ça. On fait ça. Hop. Alors là, le saut du début. J'aime pas trop faire ça en fait. Parce que, pour le coup, je vais faire juste un tournant au début. Parce que faire un truc qui va tout droit dès le départ, c'est pas très marrant. Alors voilà. Parce qu'en fait, quand ça va tout droit dès le départ, tout le monde reste appuyé sur la touche avance, et puis voilà quoi. Alors pour le coup, vous me direz, il y a une descente, donc du coup, si tu tournes un peu, ça va plus vite, mais ouais, bon. Hop, on va faire ça, on va faire ça. Normalement, ici, si on se débrouille bien, à mon avis, y a moyen de faire un truc smooth. Ah non, ça c'est pas smooth déjà, donc ça c'est mort. On va faire ça. Du coup, je vais reprendre l'autre pour faire un mini saut en fait d'un souterrain à un autre. Comme ça. Mais en fait, c'est peut-être pas lui qu'il faut que je prenne. Peut-être lui. Alors, on va prendre un grand tournant. Un truc comme ça. Là, on va mettre un checkpoint ici. Hop. Là. Ok. Là, on met un poteau. Un deuxième poteau. Un turbo au milieu du poteau. Oh, ah ouais, alors là j'ai mis dans le mauvais sens pour le coup. Hop, alors qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qu'il se dit? Du coup j'ai réglé mon problème, j'avais les notifs en direct désactivés. Quand je regardais en full screen, le chat ne se mettait pas à jour. Ok. D'accord. Alors pour le coup ça c'est pas mal. Parce qu'en fait du coup, les souterrains c'est le seul boost qui ne marche qu'au milieu de la route. C'est-à-dire que si je vais sur le côté... Ça ne fait rien. Alors que si je vais sur le milieu, ça booste. Voilà. Et ça, c'est cool. Parce que du coup, avec poteau, boost, poteau, on est obligé de faire un passer d'un côté à l'autre, puis voilà. C'est cool, j'aime beaucoup. Alors, les gens qui ont du skill, ils vont arriver, ils vont passer comme ceci. Voilà, tout droit, mais c'est compliqué. Donc du coup, voilà. Là, je referais bien un petit saut pareil. Voilà, il faudrait juste bien calculer pour voir à quelle vitesse. Voilà, on met un petit CP là, comme ceci. Parfait, 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 parfait. Alors on teste, parce que du coup on fait des trucs, c'est bien joli, mais pour le coup, ah. Alors, hop, hop, on va accélérer là, on accélère. Ah, oh, c'est beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Du coup, ça, on va le décaler, on va le mettre là. Ça aussi. Ah, mince. Ctrl Z. Hop. Ça, on le met là. Ça, on supprime. Ça, on supprime. Ça, on le prend. On le décale. On va voir ce que ça donne. Alors, je sais, j'ai pas complété le tunnel, du coup, je vais me prendre un meilleur. Mais c'est pas grave. L'idée, c'est juste de voir si c'est smooth. Si, en le prenant bien. Ok, donc là, je l'ai mal pris, ça l'a pas super bien fait. Mais à mon avis, en le prenant bien, on peut arriver à faire quelque chose de cool. Un cran avant, c'est quand même mieux.
Alors hop, ici, là ça va être bien. Pour le coup, ici on peut mettre un coup de poteau. Poteau. Poteau, poteau. On va mettre deux petits virages bien énervants. Mais genre bien, bien énervants. Genre celui-là. Non. Lui. Oh, lui, ça va être trop bien. Hop. 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 Et hop. Voilà, ça c'est bien énervant. Et pour le coup, celui-là, je pense qu'il va être trop près aussi, hein. Il va être là. Là, on peut se permettre, je pense, de mettre un CP à l'horizontale. Ici. Comme ça. Voilà, parfait. On va recommencer à ce checkpoint ici. Alors, tu as une chaîne YouTube? Oui, j'ai une chaîne YouTube. Tu tapes Laneï sur YouTube. Tu devrais la trouver. Je sais pas si j'ai mis le lien dans ma description. Je pense pas. Ah non. Bon, le checkpoint, c'est mort. Là, il faut que je rapproche d'un cran. Hop, le checkpoint c'est mort. Je vais mettre un checkpoint classique. Voilà. Mais voilà, j'ai une chaîne YouTube, oui. Si tu veux, je peux même t'envoyer un lien si t'as envie. Dis-moi. Alors après, je pose des. En fait, ça me sert plus de stockage en ligne que d'autres choses. Mais j'essaye de mettre en fait toutes les maps. Et autre truc, bon, autre truc, j'ai un peu arrêté parce que c'est un peu saoulant de cutter les vidéos et de les exporter à YouTube, mais. Ah, je suis parti sur le côté. Mais bon, c'est smooth. Pas très, mais c'est. On va dire que c'est plutôt smooth. Voilà. Donc j'ai une chaîne YouTube, oui, en effet. Moula, mais tout le monde va dormir là, tout le monde va dormir. Je suis passé de 20 à 7 viewers. Tout le monde va dormir. Voilà, il y a Funny peut-être qui s'est connecté, je sais pas. J'en sais rien. Alors, du coup, là, on est parti là-dessus. Bon, bah, suite à ça, on va essayer de. Qu'est-ce qu'il y a de rigolo comme bloc? Pas grand-chose, hein. Voilà, il y a ça. Comme ça, c'est tout fermé. Ah, non. On va faire ça, et puis on fait une sortie un peu cool. Genre, on fait une sortie. Alors là, ce qui serait rigolo, c'est qu'on arrive en fait à mettre l'arrivée juste derrière le départ. Ça, j'aime bien. Est-ce qu'on peut faire du mix mapping? Ah, j'ai pas mis le mix mapping. What the fuck? Retour. Est-ce qu'on peut mettre du mix mapping départ plus arrivée? Ça fait quoi? Parce que c'est joli. Ok. Bon, bref. C'est. Non, c'est moche, hein. Il faut jamais faire ça. Jamais, 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 jamais il faut faire ça. Alors, du coup, moi, ce que j'aimerais bien, c'est d'arriver comme ça. Donc, on va partir de la fin. On va se reconnecter ensuite. Pour le coup, ça. Ouais, c'est celui-là? Non, c'est pas lui. C'est lui. Voilà. Comme ceci. Et après, virage classique, hein. Voilà. Voilà. Un petit truc. On met un poteau? Non, pas de poteau. On met un CP par contre. On met un CP là. Ah, j'ai pas pris le CP. Hop là, voilà. Donc là, il y a un CP. Donc pour le coup, on pourrait peut-être même se permettre de faire un multilap. Vous pensez que ça le ferait un multilap ou pas? Non. De toute façon, je suis pas trop fan des multilaps en fait. Mais bon, voilà. Ok, alors, c'est parti. Ah, oula, les deux poteaux, ils sont pas très très menaçants, hein, il faut l'avouer. Je sais pas trop comment les prendre ces trucs-là. Ah, j'ai pas pris les boosts. Si, je les ai pris. Pas très bien, mais normalement c'est smooth. Normalement. Ok, je reteste. Je reteste encore une fois. Ok. Oh là là. Pourquoi c'est pas smooth là d'un coup? Ça marchait bien tout à l'heure. C'est parce que je freinais. Voilà. Là. Ah bon, c'est toujours pas très smooth, mais bon. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oh là 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 là.
Alors du coup, oui, je disais sur ma chaîne YouTube, en fait, ce ne sont que des VOD un petit peu coupés pour enlever tous les cafouillages, enfin les cafouillages, tous les débuts de stream où je dis un peu rien du tout et je fais rien du tout, tous les fins de stream où je dis un peu rien du tout et je fais rien du tout. Mais voilà, l'idée c'est que j'essaie de faire des cartes, des vidéos qui concernent soit le mapping, soit la validation d'une carte en particulier. Donc en général, je les appelle Trackmania Mapping, nom de la carte, ou alors Trackmania Validation, le nom de la carte. Parfois, j'ai un peu la flemme de faire deux vidéos, du coup, je fais Trackmania Mapping et Validation. Mais voilà, donc c'est pas mis à jour très très régulièrement. Des fois, je mets là, comme en ce moment, je mets tout en ligne d'un coup, parce que j'ai le temps. Je mettrai pas tout en ligne comme ça le soir même, tout ça. Avant, je le faisais, mais là, j'ai un peu la flemme. Ben voilà, ça passe bien là. C'est du coup c'est une map plutôt courte mine de rien. On est bien. Oh, est-ce que c'est smooth ça? Ok, alors on va valider ça. Est-ce qu'on met de la déco? Non, pas besoin. Hein. Alors du coup multilab, j'hésite. J'hésite à mettre du multilab. Le truc c'est que multilab ça veut dire que je mets un truc tout droit ici et après une chicane là. J'aime pas multilab parce qu'en fait ça fait refaire faire plusieurs fois la même chose. Je préfère que les gens optimisent un tour plutôt que optimisent un tour mais en multilab. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin je sais pas. Non, je vais juste faire ça. Alors la décoration ne sert pas à grand chose parce que pour le coup on est quasiment tout le temps en souterrain. Donc ça c'était juste une carte, voilà, histoire de faire un petit peu du souterrain quoi. Rien d'extraordinaire, mais au moins ça m'a permis de découvrir. Ah, découvrir un petit peu. De découvrir un petit peu ce qui pouvait se faire en souterrain. Et donc voilà. Hop! Oh, j'aime bien ça. Peut faire des trucs sympas en fait avec les souterrains. Ça fait un peu dirt, mais pour les riches. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je sais pas si je serais smooth. Non. Tant pis. J'ai freiné, je sais pas pourquoi. Ok, 29. Bon, je l'améliore un petit peu quand même. Un tout petit peu. Voilà. Juste histoire. Mais là, 29, à mon avis. Combien j'avais fait déjà tout à l'heure? 27? 27, ça va être possible, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez l'essayer cette carte-là? Oh là 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 là. Boum. Aïe aïe aïe. Alors, tu veux pas bloquer les quelques sorties dans l'herbe, tu pourrais pas mal cut jusqu'au premier checkpoint. Ah bon? C'est vrai. Sans déconner. Ah, en effet. En effet. Bah c'est pas grave, on met un CP. On met un CP là. Voilà. Comme ça on peut plus cut. Enfin si on pourrait mais ça ne servira à rien. Alors pourquoi j'ai du retard? C'est marrant, mon replay est toujours là alors qu'il y a un CP qui est. Ah non. Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai pas fait validation, j'ai fait plaçage de voiture, c'est pour ça. Voilà, là il n'y a plus de replay. Je me disais aussi c'est bizarre. Je sais pas si je l'ai très bien pris, mais en tout cas, ça faisait très classe. Ok, bon. Je fais un temps un peu dégueu. Ah, 28-46, tout de même. Tout de même. Alors du coup, on va essayer de faire du 27-50. Quand j'aurai passé le 27-50, c'est que, voilà. C'est que je pourrais arrêter. On va faire ça. Ouais, ça va être bien. Je pense que freiner un petit peu avant là c'est bien parce que ça permet d'être smooth. Alors là, oh là là, est-ce que c'est dur ce passage là?
Je peux passer du bon côté. Tant pis. Oh là là. Le temps que je vous ai fait. 27, 27. Bon allez, on essaye 27? Ouais, on va essayer de 27. On améliore jusqu'à 27. Puis après, je pense que j'arrêterai. Réfléchissez déjà à un nom pour cette carte. Bon, pour le coup, le Wosso souterrain, c'est un peu trop basique. Ouais, je l'annonce d'entrée. Wosso souterrain, je le prendrai pas. Aïe aïe aïe. Dommage, parce que là j'avais 12 centièmes d'avance, je crois, sur le deuxième CP. C'est pas si mal. Ah, ça touche. En fait, il faut vraiment ralentir un petit peu avant, en fait. Parce que sinon, on n'est pas smooth. On peut pas accélérer dans la descente et c'est pas smooth. Ok, là j'ai pris vachement d'avance, je pense. Oh là là, en plus c'est smooth ici. Ok, 82 centièmes. Ok, là je pense que c'est bon, 26,45. On est bien. Wow, ce Dirty Paul. Ah, oh, pas mal. Smooth? Comment ça, smooth? Ah, c'est smooth. So smooth. C'est smooth, et en fait t'es mal dit parce que c'est écrit dans la terre. T'es so smooth. Ouais. Après les gens ils vont pas comprendre au so smooth. Ouais, why not? Why not Jotberg, j'ai envie de dire. Dirty Paul, ouais. C'est pas mal, j'aime bien. Dirty Paul. Du coup il y a des pôles, tout ça, machin. Plus un bicep. Quoi? Comme? Alors, vous voilà. Ok, quelle heure est-il? Je pense qu'on a le temps, hein, large. C'est une toute petite carte, ça, mine de rien. Toute petite carte. Je sais pas quelle heure il est. Ok, c'est pas grave. Donc, saut. Alors, forcément, j'oublie à chaque fois. Oh, saut. Comment on disait? Dirty Paul. Mais non, moi. N'importe quoi. Oh, saut, Dirty Paul. Ouais, c'est pas mal. Pulse. Pulse? Le Pulse? Ouais, je sais pas. Paul ou Pulse? J'en sais rien. Je vais regarder sur le net. Est-ce que ça se dit au moins Paul en anglais? Je suis pas sûr de ça. En anglais, Paul. Ah si, ça se dit. Mais pour le coup, échanger Paul avec un S. Ouais, je pense que ça se dit. Dirty Smooth. Ah, Dirty Smooth. Oh, ah bah désolé Vinuc, mais Dirty Smooth, c'est pas mal. Wosso, Dirty Smooth. Wosso Dirty Smooth. À toi t'y vas. Ok, bonne nuit Victor. Faites beau rêve, tout ça, tout ça. Ce Dirty Smooth. Oh, j'aime beaucoup ça. Ça fait un peu le chien, je sais pas comment il s'appelle ce chien. Il y a un chien qui vote sur internet. Et le chien qui fait, voilà. Et du coup, c'est Wolf Dirty Smooth. C'est joli de Dirty Smooth. Ok. Très basique, j'ai envie de dire. Combien de temps on a mis? 24 secondes? 26 secondes? 26 secondes, ça le fait, hein. C'est une map courte. Qui fera bien rager si on veut optimiser, je pense. Parce que, pour le coup, les souterrains, c'est pas comme la dirt. Enfin, ça fait moins rager. Mais, je pense que t'as quelques petits bugs. En fait, en arrivant sur ces passages-là, là, en fait, au moment où on drift, quand tu drifts sur de la terre, tu driftes pas forcément sur de la route. C'est-à-dire que, regarde, je vais vous montrer. Je vais essayer de drifter un petit peu. Là, je drifte et là, je drifte plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on drift un petit peu sur la terre et sur la route, en fait, ça nous remet la voiture droite carrément. On l'a vu à la fin du replay. Quand on était dans cette partie-là du circuit, à un moment, du coup, passé le checkpoint, j'essaie de tourner un peu plus et j'arrive sur la route et en fait, ça m'a complètement déstabilisé et je suis parti droit en fait. C'était voulu, mais c'est pas très intuitif, on va dire. Bon, ben voilà, écoutez, elle est très très simple, très très basique. Je pense que plus basique que ça, tu meurs. Donc, bah.